Jeudi 1er septembre 2022, 27 degrés Celsius à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Pas assez chaud hein, aujourd'hui comme d'habitude. Et c'est bien sous cette belle atmosphère que la conférence internationale des ministres vient de s'ouvrir ici à l'église des élus, 6 avenue Bypass numéro 1 au quartier échangeur. Camp-Riche dans la commune d'Elemba à Kinshasa. Plusieurs centaines de pasteurs et prédicateurs de l'Évangile assistent à cette conférence centrée sur la vision du prophète Branham pour le message de l'heure, suivi bien sûr de trois sujets qui touchent particulièrement le prédicateur, à savoir l'épouse doit parler le même langage, dire ce que le messager a dit et l'état spirituel de l'épouse avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut dire que cette conférence était très attendue par les croyants de l'Église des élus qui ont bataillé ferme pour pouvoir l'organiser. On pouvait en tout cas lire une grande joie, une grande satisfaction sur le visage de tous les participants qui débarquent dans des véhicules spécialement affrétés pour leur déplacement. Il y a près d'une dizaine de ces minibus que vous voyez qui font des va-et-vient pour prendre et déposer les invités. Les grilles de l'église des élus, quant à elles, sont ouvertes depuis tôt le matin avec en place un protocole aguerri qui prend en compte les moindres détails. Avec notre caméraman Isaac Kabea, nous avons recueilli avant la réunion quelques réactions des prédicateurs. Suivons-les. Le chapeau. Oui, Pasteur Lupanzu, bonjour. Bonjour Billy Omeo. Frère Bam disait toujours, le jour où je verrai l'épouse unie ensemble, je demanderai à Dieu de quitter et de partir. C'est ça vraiment notre désir. Un vrai serviteur envoyé de Dieu, il verrait toujours voir l'église du Dieu vivant ensemble. Peu importe nos différences, nous devons être ensemble pour ne pas tomber de tout ce que le prophète a condamné pour les dénominations. Ils ont séparé les enfants de Dieu. Nous, dans les maisons, nous ne pouvons pas séparer les enfants de Dieu. Nous devons les mettre tous ensemble. C'est pourquoi je suis dans la joie de ce que l'un des anciens vient de faire ici. Ça, c'est une conférence internationale pour des ministres. Si tu es ministre, tu dois venir. C'est une grande bénédiction. C'est pour l'avancement des corps de Christ, ce n'est pas pour l'avancement de quelqu'un. C'est pour ne pas l'intérêt même pas du pasteur Kalumbo. C'est pour l'intérêt du corps de Jésus-Christ. C'est pourquoi moi, malgré mes multiples occupations, je disais, je suis venu avec mon frère Jonas ici, nous devions être ici, pour représenter quand même Cape Town. Parce que nous sommes aussi une partie de l'épouse du corps de Christ. Voilà, j'ai vraiment des expressions de le meilleur, je me sens bien. Je me sens béni. Que Dieu te bénisse. Tout ce qu'on peut attendre de cette conférence, c'est que comme le thème lui-même le dit, on doit parler le même langage. Ça, c'est le thème qui est donné par l'organisateur. Et ça serait important si tout le monde parvenait à remettre William Branham derrière la chaire. Là, on parlerait le même langage. Parce que Frère Branham dit, quand on vient dans une réunion, il faut normalement que les gens rentrent avec une nouvelle vision, pas avec la vision que chacun va mener de chez lui. Voilà ce que j'attends de cette réunion. Vous voyez, nous avons un seul prophète, mais plusieurs langages, ce n'est pas correct. Un seul prophète, mais plusieurs langages, ce n'est pas correct. Or, le comble est que, parce que beaucoup de gens n'ont jamais été enseignés par les mêmes prophètes. Parce que dans la prédication, les joints du temps de la fête, par 25, Frère Branham dit, les prophètes enseignent son message. Voilà. D'abord, c'est une chose tant souhaitée par moi-même. Et comme vous êtes sans ignorer qu'à l'Équateur, nous faisons ce genre de réunions à tout moment et que... Il fallait aussi qu'à Kinshasa, ce genre de réunions se tiennent parce que ça fait énormément longtemps qu'il n'y avait pas de réunions qui réunissaient les serviteurs de Dieu pour discuter un peu de l'avenir du message au Congo. Vous savez d'où nous sommes venus et ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Alors les réunions comme ça, ce sont des réunions qui peuvent nous aider à résoudre certains différends qui se trouvent au milieu des serviteurs de Dieu. L'avenir du Seigneur arrive. Qu'est-ce que nous cherchons ? Nous devons nous unir et parler un même langage comme le message le dit. Nous devons avoir l'amour, l'affection fraternelle qui nous amène à l'amour divin. Sans cela, le ciel est fermé.
Mais je sais que le ciel est pour les élus. Je pense que ce genre de réunion comme ça, ça nous aide vraiment à réfléchir un peu. Ce sont de très bons sentiments. C'est le prophète qui nous a recommandé d'avoir, d'être en conférence. C'est évident de Dieu se retrouver pour la conférence. C'est depuis la Bible que Dieu avait dit venez et plaidons. Alors nous sommes venus pour cette conférence. Nous sommes très joyeux, nous sommes contents de participer à ça. Bon, personnellement, d'abord, je suis très content que le pasteur Kalumbu ait organisé ça. Parce que je le connais un peu dans sa façon d'organiser de ce genre de convention, de rencontres. Mais ce que j'attends, c'est qu'on puisse avoir plus de communion qu'avant. Parce que et plus de compréhension qu'avant. Parce que c'est ce qui semble manquer. Il y a eu un peu trop de divergences, trop de compréhension, trop de comportements qui n'ont pas beaucoup honoré notre message précieux que nous avons reçu du prophète. Et je pense que ceci peut être une très bonne occasion pour nous de faire une petite avancée. C'est ça. On pense que ce serait une bonne occasion que le peuple puisse parler de Mandanda. On va prier, on s'attend aussi. On va voir qu'est-ce que Dieu va faire. Sur bien-aimé Billy, nous attendons à parler le même langage. Quand il s'agit des enfants de Branham, ils doivent se battre derrière la maison. Et devant tout le monde, on doit parler le même langage. Au nom du message, nous devons nous unir. Le temps de division est passé. Le temps des églises est passé. Nous devons nous unir comme épouses. Comme disait Frère Branham, lorsqu'il y aura la pluie de l'arrière-saison, quand cela va tomber, tous les canards casés quelque part seront au niveau au-dessus de la clôture, de toutes les clôtures du quartier. Donc c'est un peu du genre de cette réunion qui nous amène ici dans cette assise et nous allons parler de beaucoup de choses. Vous venez de Matadi, alors participer à cette conférence, ça vous fait quoi? Non, ça me fait du bien parce qu'il faut toujours échanger avec les serviteurs de Dieu. C'est une bonne chose, nous voulons toujours apprendre des autres parce que nous ne sommes pas autosuffisants. Mais nous apprenons plus que nous entendons ce que le prophète a dit. Cela nous aide à grandir, à corriger ou à se perfectionner davantage. Donc pour moi, c'est une bonne rencontre. Quand les serviteurs de Dieu se rencontrent, pour moi, c'est une bonne chose. Et c'est édifiant. C'est une bénédiction pour nous. Alors, nous devons saluer le travail extraordinaire abattu par le comité organisateur qui a tout mis en contribution, en tout cas, pour avoir un événement à la hauteur des attentes des serviteurs de Dieu. Et pour accueillir cette conférence internationale, justement, le comité a décidé de mettre en place des mesures de sécurité adéquates pour le bien-être de tous les participants. Nous avons constaté que le périmètre même de l'église est bien sécurisé par une unité spéciale de la police congolaise détachée pour la circonstance. L'ambiance, comme vous pouvez le voir, est au zénith. Plusieurs prédicateurs se disent satisfaits de la tenue de ces réunions dont le coup d'envoi a été donné à 10h avec quelques minutes de retard par rapport à l'heure prévue, car certainement il y avait bien d'autres formalités que le participant devrait accomplir avant d'accéder dans la salle. La cérémonie a été ouverte par un chant d'adoration chanté pendant quelques minutes avant la prière d'ouverture par le pasteur Gérard Hughes des États-Unis d'Amérique. Alors, dans son allocution d'ouverture, le révérend Kalumbu Kiseka a remercié du fond de son cœur tous les invités qui ont fait le déplacement de Kinshasa et a loué les seigneurs pour avoir rendu cet événement possible. Et on doit signaler qu'un extrait du serment du prophète William Branham a été joué avant son intervention.
le pasteur Kalumbu a exprimé le souhait d'aboutir à un échange fructueux à l'issue des différentes interventions qui seront données par les orateurs tout au long de la conférence. Frère Yvon Ilunga, qui est donc le communicateur de la conférence, nous donne le point sur ce qu'a été cette première journée. Nous remercions le Seigneur de ce qu'a été cette première journée de la conférence. En effet, tout début n'est toujours pas facile parce que l'organisation telle qu'on l'avait pensée devait se mettre en place. Les invités ont continué à arriver jusqu'à tard dans la nuit, il fallait les loger. Bon, il y a certaines dispositions qu'il fallait adapter à certaines contraintes et l'engouement étant aussi important par rapport à l'événement. Et nous avons donc noté, en tout cas, que le Seigneur nous a aidés. Les équipes, il y en a qui ont veillé, qui ont travaillé toute la nuit. Mais on a pu être là le matin pour commencer finalement la conférence. On a commencé un peu avec environ 30 minutes de retard. Mais c'était bien. Le train a pris son départ avec la chanson « La dénomination ». Évidemment, après les préludes, et le pasteur Kalumbu est entré. Et c'est lui qui a pris la parole pour commencer, parce que c'est lui l'hôte de la conférence. Donc il était question qu'il puisse dire exactement ce que le Seigneur lui a permis de voir dans le message et qu'il voulait partager avec les autres hommes de Dieu, histoire de montrer qu'on doit finalement arriver à ce que d'aucuns aujourd'hui pensent que c'est devenu impossible, parler, amener l'épouse à parler le même langage. Et dans son intervention, il a appris un certain nombre de concepts, des principes tirés du message de Frère Branham pour montrer que c'est possible par le Saint-Esprit. L'épouse peut parler le même langage si le prédicateur et le croyant tous prennent comme référence la parole de Dieu telle qu'elle est dans la Bible et telle que William Branham l'a prêchée. Si nous avons tous la même référence, nous parlons le même langage. Donc voilà en résumé ce que nous pouvons noter et nous apprécions. Nous avons senti que les hommes de Dieu, en tout cas, étaient dans le bain de ce que le Saint-Esprit était en train de communiquer. Et on a senti vraiment que les uns et les autres ont trouvé vraiment de l'intérêt à ce que, comme le pasteur ne cessait de le répéter, il fallait qu'il y ait une conférence, il fallait que Dieu appelle son peuple en conférence pour que nous revenions à la parole de Dieu. Après l'exposé du pasteur Kalumbu Kiseka, qui a duré près de 2 heures, les participants ont été conviés à une pause. Et à leur sortie, nous avons recueilli d'autres avis de pasteurs sur ce qu'ils pensent de la conférence après le briefing que venait de donner le pasteur Kalumbu. Moi, je pense que l'idée que le pasteur Kalumbu a eue, comme aussi un ancien, ce sont des idées trop rares. Et c'est vraiment appréciable que l'épouse doit parler le même langage. Et aujourd'hui, ça a été rendu un peu clair parce que les gens avaient des questions. Parler le même langage, c'était sur le point doctrinal. Mais moi, je crois que c'est plus dans l'esprit. Avoir le même esprit, être soudés, marcher ensemble. Parce que si nous disons que nous sommes les croyants du message du temps de la fin, nous devons mettre nos indifférences à côté et marcher ensemble, voir la même vision que les prophètes avaient. Bon, il y a toujours des petites choses, mais ça peut se mettre à côté et nous allons marcher ensemble. Je crois qu'il a rendu ça vraiment clair aujourd'hui et j'apprécie ça vraiment. Oui, absolument. J'ai apprécié l'esprit, un très bon esprit qui a commencé et je pense que c'est ce même esprit qui va continuer. J'ai vraiment apprécié l'esprit dans lequel l'ancien Kalumbu a introduit la convention et je pense que tous les intervenants resteront dans le même esprit pour qu'à la fin ce soit réellement un succès. Et c'est ce que nous voulons et je crois que si tous nous restons avec ce que le frère Branham a dit, nous marcherons des mêmes pas. Voilà ce que je peux dire. Ah, une grande satisfaction.
de voir l'esprit qui a animé l'ancien Kalumbu d'organiser cette conférence. Et déjà, les coups d'envoi, c'est formidable. Ça dessine déjà ce que va être la suite. Nous sommes très bénis ce matin. Et déjà, son introduction reflète ce que sera la fin. Et ça a déjà beaucoup montré, contrairement à ce que pouvaient être les imaginations. En tout cas, la manière dont il a déjà abordé, ça prouve qu'il y aura la conclusion. Mais ce que le pasteur vient de dire ici, que les choses changent. Que les choses changent, rachetées reviennent aussi dans la bonne voie. Alors, est-ce que vous pensez déjà avec le go que le pasteur Kalumbu vient de donner? Parler avec lui profondément, ce sont des choses qui sont en train de se dessiner. Vous allez voir à la fin. Je crois qu'en comptant sur le Seigneur dans la prière, Dieu fera que les choses puissent changer. Merci, pasteur. La vision va s'orienter de la bonne manière. Et c'est au magnifique hôtel Béatitude, situé à quelques mètres de l'église des élus, que tous les invités sont allés prendre leur repas de midi avant la reprise de la séance. Alors, en bref, on retiendra que l'ambiance était conviviale. En ces premiers jours de rencontre, la salle était quasiment pleine, comme vous avez pu le constater avec moi. La rencontre a été rehaussée par la participation de plusieurs anciens du message de la République démocratique du Congo, comme d'ailleurs, qui ont tous répondu positivement à cette invitation. La conférence se poursuit jusqu'à dimanche 4 septembre, où tous les participants doivent arriver, comme je l'ai dit précédemment, à trouver la vision réelle qu'avait le prophète William Branham sur le message de l'heure.